Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous méditons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. La guérison de l'enfant d'un centurion. Le verset 10 nous dit, Jésus nous dit au verset 10, en vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Jésus célèbre la foi du centurion. Jésus se réjouit de la foi de ce centurion. Comme on les appelait, il faisait partie des gentils. Donc une personne jugée impure par les Juifs. Mais Jésus se réjouit de trouver une telle foi chez quelqu'un qui est jugé impur, je suis quelqu'un de qui est rejeté par la coutume ambiante. Pourtant, ce n'est pas un fils d'Israël. Ailleurs, en Matthieu 8, 24, il se réjouit également de la foi de la Cananéenne à qui il dit: Ô femme, grande est ta foi. On se souvient qu'il lui avait dit une parole assez dure au début, en disant: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la Cananéenne de rétorquer: Oui, Seigneur, dit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Voici un deuxième exemple, une deuxième situation dans laquelle on voit Jésus se réjouir de la foi qu'il trouve chez cette Cananéenne. Une fois de plus, une personne qui n'est pas juive, qui n'est pas israélienne. En revanche, le manque de foi l'attriste. On peut le voir en Marc 6,6 où Jésus s'étonne de leur manque de foi. Et la Bible nous dit que là, il ne pouvait faire aucun miracle. Bien-aimé, j'aime à le dire, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Cette nouvelle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Il a souffert sa passion. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père où il nous prépare une place. Toute sa mission, tout le message qu'il nous a apporté est pour notre salut, est pour le salut de chaque être humain. Chaque être humain. Alors aujourd'hui, tu peux recevoir que tu sois baptisé, que tu sois déjà chrétien, fervent ou peu fervent, que tu ne crois pas du tout. Que ta foi vacille, tu peux le recevoir. Recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Recevoir cette bonne nouvelle. Et réjouir son cœur par la foi qu'il attend de toi, que tu manifestes dans la situation que tu vis. Il est lui-même un homme de foi qui a enseigné une prière de foi, la prière du Notre Père. Jésus n'aurait pas pu nous enseigner une prière en laquelle il n'avait pas foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta foi, peut-être, du fait de l'épreuve que tu traverses, vacille. Mais quoi que tu vives, dis-lui aujourd'hui: Jésus, j'ai confiance en toi. Je crois que tu es capable de me sauver dans la situation que je traverse. Oui, la foi, c'est ce qui est difficile. Nous avons, la Bible nous dit, nous avons tous reçu une dose de foi, une mesure de foi. Mais le plus difficile, peut-être là, je crois, c'est de l'entretenir. La foi doit être entretenue. C'est comme une flamme qui vacille, mais elle a besoin de l'oxygène, elle a besoin d'être entretenue. Si tu crois même avoir peu ou pas de foi, Jésus peut te sauver de cette situation.
Il te suffit de crier à lui en disant: Jésus, viens au secours de mon peu de foi, comme nous le lisons dans la parole. Et l'une des façons les plus, je dirais, efficaces ou primordiales de nourrir sa foi, bien-aimé, c'est de lire la parole de Dieu. Lis sa parole, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu liras sa parole, plus tu méditeras sa parole, tu le constateras, ta foi grandira, ta foi sera plus constante, plus stable. Le salut que Jésus apporte n'est pas réservé seulement au peuple d'Israël exclusivement. Chacun de nous y a droit. Toi aussi, si tu l'appelles, si tu l'accueilles dans ta vie, si tu lui ouvres grandement la porte de ton cœur, il entrera et tu constateras que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il triomphe toujours de toutes les situations. Aujourd'hui, Jésus désire te voir manifester ta foi en lui pour qu'il découvre, pour qu'il déploie son plan d'amour pour toi. C'est la foi qui réjouit Jésus, car sans la foi, Hébreux 11, verset 6 nous le dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici encore une autre parole forte. Oui. Il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus récompense la foi. Jésus est attentif à la foi. Peu importe qu'il s'agisse d'un centurion, qu'il s'agisse d'une cananéenne, qu'il s'agisse d'un aveugle, peu importe, on le voit dans l'évangile. Jésus rencontre diverses personnes qui manifestent leur foi, qui croient en lui, qui le cherchent, qui veulent se faire entendre. Et c'est cela encore qui continue. Aujourd'hui, en ce lundi 2 décembre 2019, Dieu te donne l'opportunité, Dieu me donne l'opportunité de manifester ma foi. C'est peut-être dans une situation que je traverse moi personnellement. Ou c'est peut-être dans une situation que quelqu'un que je connais ou que tu connais traverse. Dans tous les cas, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que je te présente ce matin. Et je crois, par la puissance du Saint-Esprit, que ta foi est nourrie, ta foi grandit aujourd'hui, pour la gloire du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.